Une ONG de défense des droits de l'homme du Burkina Faso a accusé l'armée d'avoir tué cette semaine au moins 25 civils, dont des femmes et un bébé, dans l'est du pays, selon un communiqué parvenu vendredi à l'AFP. Ni l'armée ni le gouvernement burkinabé n'ont réagi dans un premier temps à ces accusations. L'est du Burkina est l'une des régions les plus touchées par la violence de groupes djihadistes combattus par l'armée et ses supplétifs. Mercredi soir, soit le 1er février, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a été saisi par plusieurs parents de victimes faisant état d'allégations d'exécutions sommaires de civils qui seraient attribués à des corps des forces de défense et de sécurité burkinabé dans les localités de Piga, Sakaoni et Kangagou, indique un communiqué du CISC parvenu vendredi à l'AFP. Ces exécutions auraient eu lieu lors du passage dans ces trois localités situées le long de la route nationale 4 d'un convoi de plus d'une centaine de véhicules en partant ce mercredi pour la mine d'or de Bungu et escortés par des dizaines de véhicules pick-up 4x4 qui transportaient plusieurs FDS en tenue militaire, selon le CISC. 12 morts, dont 3 femmes et un bébé, sont évoqués dans le village de Sakaoni, à environ 125 km de Fala Gourma, chef-lieu de la région de l'Est, 7, dont 4 femmes, dans le village de Piega, à 60 km de Fala Gourma, et 6 dans le hameau de Kangankou, dans le territoire du village de Sampiri, selon le CISC. Des habitants de Sakaoni, joints par l'AFP, ont témoigné de la découverte de 11 corps sans vie après le passage du convoi. Le bilan ne cesse de s'alourdir au fur et à mesure que les informations nous parviennent du terrain, selon le CISC.